Nous sommes très heureux de vous annoncer le retour de la Paris Games Week en 2023 sur les dates qui, désormais, je peux vous le dire, sont connues du 1er au 5 novembre avec une avant-première le mardi 31 octobre au soir et dans une édition Next Level. Alors, vous savez, l'année dernière, on a fait l'édition Restart. Après deux années Covid où le salon était absent, on avait créé cette édition pour relancer la Paris Games Week qui avait connu un succès fabuleux. On était très heureux de vous retrouver à cette occasion et de retrouver les communautés de joueuses et de joueurs. Et puis cette année, on a décidé de faire une édition Next Level dont on veut vous dire un petit peu plus. Et notamment, l'idée, c'est de faire de la Paris Games Week ce qu'elle est d'habitude, c'est-à-dire cette promesse faite aux joueurs de venir tester les jeux, mais aussi un petit peu plus, faire un festival de la culture gaming et d'aller chercher aussi toutes ces cultures connexes aux jeux vidéo qui font la culture gaming au sens large et d'attirer dans une formule élargie, plus ambitieuse, plein de cultures, à la fois l'animé, à la fois le streaming vidéo, d'autres univers, la musique, et tout un univers voilà, qu'on veut faire grandir à la Paris Games Week pour que l'expérience soit encore plus unique que d'habitude. À l'occasion de cette Paris Games Week 2023, nous donnons rendez-vous à tous les constructeurs, consoles, PC, mais également à tous les grands éditeurs internationaux qui font les jeux les plus populaires de la planète, que vous pourrez retrouver à la Paris Games Week, et également à tout l'écosystème des studios, qu'ils soient étrangers, français, qui vont trouver leur place à la Paris Games Week. Et puis, vous trouverez également le cosplay, vous trouverez également le rétro gaming, tout ce qui fait finalement la promesse et le succès de la Paris Games Week chaque année. Une grande scène e-sport repensée encore plus ambitieuse avec une programmation encore plus qualitative. Et puis également cette année, une Paris Games Week qui va se projeter, se porter en dehors de la Paris Games Week elle-même, hors les murs, avec une amplification digitale grâce à des streamers de premier plan qui vont venir porter la Paris Games Week en dehors de la porte de Versailles. Plus que jamais, la Paris Games Week s'affirme comme l'événement, le lieu de référence cette année, mais pour les années à venir, un événement français, mais à rayonnement international, avec l'Europe du jeu vidéo qui, et le monde du jeu vidéo qui utilise cet événement, qui capitalise sur cet événement pour dire que la France est un lieu important. Et donc, on compte sur votre présence dans ce marché cette année et pour les années à venir. Et puis, la Paris Games Week, c'est une occasion en or de valoriser, promouvoir le jeu vidéo auprès aussi des pouvoirs publics, des décideurs publics au sens large, parlementaires, décideurs des administrations qui suivent le jeu vidéo. Et en un événement, finalement, ils ont sur un lieu tout ce qu'offre de meilleur le jeu vidéo. Et c'est pour nous l'occasion, au CEL, de valoriser tout le travail qu'on fait à l'année, de montrer en fait le meilleur de la création française et internationale, de montrer ce qui est fait en matière de contrôle parental et de protection des mineurs dans le jeu vidéo, et de montrer aussi tous les progrès qui sont faits sur l'environnemental, sur l'égalité femmes-hommes, sur tous ces sujets qui sont aussi importants pour notre industrie. C'est donc maintenant une période clé pour la Paris Games Week, puisque nous construisons à proprement parler l'événement et nous allons ouvrir au mois de juin la billetterie au grand public. Et donc on compte sur vous pour être présents et dans quelques semaines, on aura le plaisir de vous présenter la programmation de cette édition.